Bonsoir, chers auditeurs de la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue pour cette édition spéciale. En réalité, un témoignage. Ce soir, nous sommes ensemble pour écouter le témoignage du pasteur Ambroise Kudu. C'est le pasteur principal et fondateur de l'Église évangélique de la gloire de Jésus-Christ qui est basée en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai jamais rencontré, n'est-ce pas? Tout comme la sœur Emma que nous avons écoutée la dernière fois, c'est le Seigneur, par son pouvoir de préscience, par sa super intelligence, qui a trouvé le moyen de me mettre en contact avec le pasteur Kudu. Je ne l'ai jamais rencontré, comme je le disais tout à l'heure. Il m'a été introduit par un membre de mon église locale, et c'est d'ailleurs même dans cette église, n'est-ce pas, mon église locale, que nous sommes en train d'enregistrer ce témoignage en ce moment. Donc, je n'ai pas tous les détails de son témoignage, mais puisque je suis avec lui en ce moment, il aura l'occasion, n'est-ce pas, de vous raconter et de raconter à toute la communauté chrétienne francophone mondiale comment est-ce qu'il est arrivé au Seigneur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui l'a amené à tout abandonner pour se mettre entièrement au service de Jésus-Christ? Oui, nous allons d'abord l'introduire, n'est-ce pas, avant d'aller devant le Père. Bonsoir, pasteur Kudu. Bonsoir, pasteur Christian. Donc, pasteur Kudu, est-ce que tu peux t'introduire aux auditeurs de la Sainteté FM, de la Sainteté Télévision? Est-ce que tu peux t'introduire à cette communauté francophone chrétienne mondiale qui t'écoute en ce moment? Bien sûr, shalom, bien-aimé en Jésus-Christ. Je suis le révérend apôtre Kudu Ambroise. Je suis le président fondateur des Églises évangéliques de la gloire de Jésus-Christ. Je suis également le président du collectif des pasteurs de Dabou. Dabou, c'est en Côte d'Ivoire, je suis donc ivoirien. Et donc, c'est une occasion pour moi de rendre ce témoignage qui a marqué ma vie. Ok, donc merci pasteur Kudu, mais avant toute chose, avant, n'est-ce pas, d'écouter notre frère qui est aujourd'hui au service de l'Éternel, parce qu'en réalité même, il n'est pas aux États-Unis en congé, il est en mission spirituelle et certainement, parce que le Seigneur le savait, il est certainement ici cette fois-ci, n'est-ce pas, pour pouvoir raconter au monde, comme avec le cas du professeur d'université, parce que lui également c'est un professeur, ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Il va nous raconter ce que le Seigneur a fait pour lui. Mais avant de l'écouter, avant d'écouter son témoignage, je voudrais que nous allons devant notre Créateur, devant notre patron, le patron de tous les pasteurs, le patron qui nous a dit qu'il y a un endroit meilleur et qu'il est parti préparer une place pour cela. Qui auront cru à son œuvre de passer l'éternité avec lui. Donc, nous allons prier pour inviter le Saint-Esprit parmi nous avant d'écouter ce témoignage. Seigneur Jésus, je te Bénissons ton nom éternel, remercie notre pour ta Dieu, présence Dieu de parmi gloire, nous Dieu en ce moment. tout-puissant, Je te remercie de Dieu m'avoir mis en créateur des contact cieux et de avec la ton terre. serviteur Merci pour Ambroise. ce temps Nous que te tu me remercions donnes. parce que tu es Dieu Merci et pour nous cette prions, mon occasion Dieu, que mon tu roi, me que permets ton esprit de prenne le m'exprimer parce que le contrôle Seigneur, de tu as ton fait des serviteur merveilles et dans ma de tes vie et serviteurs tu m'as afin réjoui de à nous plusieurs reprises. permettre Tu de permets aujourd'hui que je sois aux présenter États-Unis, ce que tu Seigneur, fais pour pour nous parler tous de tes les jours bienfaits. à Merci ceux-là de qui ce sont cœur, ce encore témoignage touchera incrédules, beaucoup de mais cœurs dont ce et permettra témoignage que va ceux qui certainement sont seulement transformer entre les Dieu vies. et Nous Dieu te se disons glorifie à merci toi. d'être Cela pour présent la gloire avec de ton nous en nom, ce moment, au nom de au Jésus. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc, pasteur Kudu, est-ce que, avant d'entrer, n'est-ce pas, dans le témoignage, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant de te mettre au service de Jésus-Christ? Je suis de formation, je suis enseignant. Je suis enseignant, je suis professeur de biologie. Je suis actuellement inspecteur général de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Et puis, je suis pasteur. Wow. Donc, si j'ai bien compris, tu es Général inspecteur général de l'éducation nationale de l'éducation nationale, en Côte n'est-ce pas? d'Ivoire, Il oui. est inspecteur national de l'éducation. Inspecteur général Inspecteur général de de l'éducation Bon, nationale.
N'est-ce pas? Il faut que les auditeurs sachent, n'est-ce pas, qu'on ne se connaît pas. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'arrangé. Et ça, c'est un inspecteur général de l'éducation nationale. Ça veut dire qu'il est pratiquement dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est un haut fonctionnaire, n'est-ce pas, du gouvernement, enfin, de la fonction publique de la Côte d'Ivoire. C'est ça. N'est-ce pas? Tout comme moi, votre pasteur, je vous dis tout le temps, parce que je sais, pasteur Kodo, que l'ennemi endurcit beaucoup les cœurs de certaines personnes croyant que tous les pasteurs sont des mendiants. Ok, et je leur dis toujours que moi, je suis un ingénieur. Ok, et le Seigneur m'a béni. Je vis, mais je fais le travail de Dieu. Donc, si tu nous écoutes en ce moment, je voudrais que tu laisses de côté tout ce que l'ennemi va te chuchoter et que tu saches que la personne qui te parle n'est pas une mendiante ou il n'est pas un mendiant. Il a tout abandonné pour se mettre au service de l'Éternel, et c'est l'occasion pour toi de l'écouter, pour que tu saches comment il est venu à Jésus-Christ, et tu seras certainement sauvé, parce que l'ennemi n'aura plus une main mise sur toi. Nous allons nous retrouver tout à l'heure, n'est-ce pas, avec le pasteur Kodo, le temps pour nous de prendre une pause. À tout à l'heure. Je suis très heureux ce soir de vous retrouver, de vous rendre ce témoignage. Voyez, tout a commencé le 9 novembre 2003, en Côte d'Ivoire. Je venais d'être nommé coordonnateur régional des SVT, c'est-à-dire sciences de la vie et de la terre. C'est la biologie, en d'autres termes, dans une région à Gagnoua. Je supervisais près de 9 zones. À cette région. J'étais donc le coordonnateur de tous ces professeurs de biologie. Et c'est un jour, un vendredi, puisque mon domicile se trouve à Dabou. Dabou, c'est une autre localité où j'étais. Alors, j'étais venu voir ma famille et le dimanche 9 novembre, je rentrais à Gagnoua. Je suis arrivé, j'étais au volant de ma voiture, j'étais accompagné de mon petit, mon fils spirituel, le pasteur Samuel Tibé. Nous rentrions à Gagnoua et nous sommes arrivés à un endroit entre deux villages à 17 km de Gagnoua. Nous sommes arrivés entre Kabia et Bobia. Et il devrait être 20h45, je montais une colline et un groumier descendait cette même colline. Bon, si chaque véhicule est à sa droite, il n'y a pas de problème. Je suis à ma droite, le chauffeur du groumier a son groumier à sa droite, il n'y a pas de problème. Mais c'est lorsque nous devions nous dépasser qu'un gros camion tentait de dépasser le groumier. Vous voyez, la route est très petite. Donc, deux camions peuvent se dépasser, mais trois camions en même temps, c'est difficile. Moi, je montais la colline, les deux gros camions descendaient. Voyez-vous, je devrais être écrasé. Et j'ai vu la main de Dieu ce jour-là. Je ne sais pas par quel moyen le gros camion est passé entre ma voiture, j'avais une Mercedes 190D, entre ma voiture et le groumier. Le gros camion est passé. Entre-temps, je ne sais pas qui m'a pris du volant pour me déposer sur le capot arrière, porte-bagages, derrière la voiture. Je n'étais plus au volant. Je regarde, j'ouvre les yeux, un autre groumier qui monte la même colline. Alors lui venait à une allure vive. Je lui ai dit, tourne, tu vas me tuer, tourne, tu vas me tuer, tourne, tu vas me tuer. Il me ramasse et me jette sur le goudron. Et passe sur mon corps, broie complètement ma cuisse gauche. Ma cuisse était collée sur le goudron. J'étais mort. Le sang giclait de mes yeux, de mes oreilles, de toutes parts. J'étais mort. Les gens ont pleuré plus d'une heure de temps. J'étais couché là, inerte. Je ne savais plus ce qui se passait. J'étais mort. Avec un pied gauche, la cuisse collée sur le goudron. Bien-aimé en Christ, c'est ce jour-là que j'ai vu que nous avons un Dieu tout-puissant.
Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Ce jour-là, j'ai vu la puissante main de Dieu sur ma vie. Après une heure de temps, couché là, personne ne pouvait me toucher. Les gens avaient peur, ça pleurait parce que c'était une situation désolante. Mais ce jour-là, j'ai vu la main de Dieu. Et je ne sais pas, mais j'ai entendu une voix. Dieu a fait passer sa parole, pas par mes oreilles, mais par ma poitrine. Et voici ce qu'il a dit. Tu ne mourras pas maintenant, tu vas me servir d'abord. L'Éternel Dieu m'a dit, pas avec mes oreilles, hein, il a parlé, il a fait passer sa parole par ma poitrine. Et il m'a dit, tu ne mourras pas maintenant, tu vas me servir d'abord. Et je relève la tête. Mais le pied était collé sur le goudron. Les gens, les quelques gens qui étaient à côté ont commencé à fuir parce que, en revenant, les gens se sont empressés pour me mettre dans un véhicule et m'accompagner à Gagnoa où nous partions. Arrivé dans la clinique Keita, pour ceux qui connaissent Gagnoa, les médecins, les infirmiers se sont approchés, mais dès qu'ils m'ont vu, puisque le corps était devenu, j'étais ensanglanté. Le sang giclait de toutes parts. Donc les gens ont eu pitié, les gens avaient peur. Ils ont commencé à fuir. Mais moi, j'ai récité un verset. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est là que quelqu'un a dit, mais il n'est pas mort. Amenez-le à l'hôpital central. Ils m'ont pris. Ils m'ont amené à l'hôpital central. Il devrait être 21h et il pleuvait fortement. Nous sommes arrivés à l'hôpital central. Il y avait un médecin chez qui on devait me conduire, le médecin Ori. Lui, il a entendu du bruit au dehors. Les gens fuyaient, sauf qui peut, ceux qui regardent le brancard sur lequel je suis couché, ne peuvent pas rester là. Chacun fuyait. Et quand nous sommes arrivés devant le bureau du docteur Ori, lui aussi sortait pour voir ce qui s'est passé au dehors. Mais sa sortie a coïncidé avec l'arrivée de mon brancard devant sa porte. Il a refermé sa porte. Il est rentré au bureau. Il a dit, docteur, il n'est pas mort. En tant que moi, je récitais mon verset biblique. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand il est sorti, il est venu avec son appareil pour prendre ma tension. Il a pris ma tension, il a dit, il est pratiquement mort. Il fait 7-5 de tension. Il n'a plus de sang dans son corps. Il faut absolument lui trouver du sang. Le jeune homme qui avait voyagé avec moi, c'est un jeune homme qui est né en 61, donc c'est pas un enfant. On lui a donné de l'argent pour aller acheter les premiers médicaments. Le vent lui a arraché l'argent. Il est revenu sans les remèdes. Mais qui est allé acheter les remèdes? Il revient et dit le vent, il sait même pas, il était traumatisé. Donc du coup, sans remède, il devait être 22h, il pleuvait atrocement. Mon sang, je n'avais plus de sang. Oh, je suis du groupe positif, groupe A+. Il n'y avait pas ce groupe-là à Gagnois à cette heure-là. Comment faire? Ils ont donc pris des cartons. Ils ont pris des cartons pour essayer d'attacher ma cuisse avec la chair qui pendait. Bien-aimé, c'est dans cette situation-là que j'ai pu passer la nuit. J'ai souffert une douleur atroce. La douleur avait atteint, dépassé le seuil, la sensibilité. Vraiment une douleur atroce. J'ai souffert. Et puis, nous avons un Dieu merveilleux. Le médecin qui a accepté de me recevoir dans sa clinique, au début avait refusé. Ses collaborateurs ont dit, mais voilà un cadre. Tu l'as pris, il va venir mourir ici dans notre clinique. C'est pas bien. Il a dit non, il faut qu'on l'aide. Vous voyez, la peau névrose est exposée, mais tout est entre les mains de Dieu. Et la même nuit, je n'ai pas reçu de soins. Pour tout le monde, je devais mourir parce que je n'avais aucune goutte de sang, selon les dires du médecin. Mais Dieu m'a soutenu tout au long de la nuit. Et le matin, ce docteur, le propriétaire de la clinique, a fait appel à ses jeunes frères traumatologues, chirurgiens, qui étaient à Abidjan. Ils sont venus, ça c'était pour m'amputer, m'enlever le pied gauche. Quand ils sont arrivés, il faut qu'ils demandent mon avis. Il faut que je sois d'accord avant qu'on enlève mon pied. Ils sont venus m'entretenir pour dire, ah, l'os est infecté, si l'os est infecté, tu ne survivras pas. Il faut qu'on t'ampute. Je leur ai rien dit. Moi, j'étais en train de souffrir. Et quand ils sont allés s'apprêter pour venir m'enlever le pied, c'est dans ce laps de temps que j'ai eu un songe.
Bien-aimés en Christ, nous avons un Dieu à qui rien n'est impossible. J'ai eu un songe. Je me suis retrouvé dans un village. Je me suis retrouvé à Isabré, c'est un village. Dans une cuisine. La cuisine d'une bonne dame là, que je ne connaissais pas. L'entrée de la cuisine était à gauche. Et j'étais tourné vers le mur, tout droit devant moi. À ma droite, Dieu était là. Je ne l'ai pas vu. La Bible dit dans Jean 1 au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. J'avais l'intuition que Dieu était à ma droite. Et il m'a donné de l'eau, enfin un liquide semblable à de l'eau, dans une soupière bleu ciel. Il dit, lave ton pied. J'ai pris ce liquide et j'ai lavé mon pied. L'aspect que le pied a actuellement, c'est cet aspect. Le pied a eu, juste après l'avoir lavé, avec le liquide que Dieu m'avait donné en songe. Et la propriétaire de cette cuisinière est rentrée dans la cuisine. Elle m'a dit, mais mon mari de nuit est arrivé où? Je suis allé chez beaucoup de pasteurs, ils ont prié juste. Depuis le mari, mon mari de nuit, il me fatigue. J'ai dit, madame, vous avez un mari de nuit? Elle dit oui, je ne dors même pas. Je lui ai imposé les mains. Quand ma main a touché sa tête, elle est rentrée en transe et elle a crié, je suis guéri. Mais elle a tellement crié fort que ça m'a réveillé de mon songe. Et donc le matin, la première personne qui est venue me rendre visite a rendu témoignage. Il m'a dit ceci, en rêve, tu marchais et tu conduisais ta voiture. Tu marchais et que tu conduisais ta voiture. Une deuxième personne, troisième personne, jusqu'à 17 personnes dans la journée qui ont témoigné que j'étais guéri. Or, physiquement, quand on me voit, je ne pouvais pas, on ne pouvait pas me donner, pour pas penser que j'allais vivre. Parce que le pied était complètement broyé. Je n'avais plus de sang, j'étais défiguré. Mais Dieu m'avait déjà spirituellement guéri. Gloire à Dieu. Bien aimé, j'ai passé 6 mois couché, sans bouger, sur le lit, en train d'avaler des remèdes, des médicaments, de faire subir des perfusions et consorts. Pendant 6 mois sans bouger dans cette clinique. Et ce n'est pas tout. Nous avons un Dieu merveilleux. Après les 6 mois, j'ai demandé à mon grand frère de m'enlever dans cette clinique parce qu'on dépensait beaucoup. Il fallait donner 12 000 francs par jour. Ça, c'est pas. Les 12 000 francs, c'est pour les soins. Sinon, c'est 18 000. Donc, 12 000 plus 18 000, ça fait, je crois, 30 000 par là, par jour. Bon. Donc, j'ai demandé à mon grand frère, on a déjà fait 6 mois ici, allons-y à la maison. Le médecin a accepté de nous libérer. Nous sommes allés à la maison. Quelques temps plus tard, Dieu me dit, tu vas aller aux États-Unis. Comment est-ce possible? Quelqu'un qui ne marche pas? Les jours qui ont suivi, on m'a fabriqué des béquilles artisanales. Le pied était dans une attelle. C'est un genre de matériel pour maintenir le pied droit. Mais je pouvais me tenir sur les béquilles sans poser le pied. Et donc, Dieu me dit, tu vas aller aux États-Unis. Comment est-ce possible? Quelqu'un qui ne marche pas. On m'a offert des béquilles artisanales. Et l'éternel Dieu m'a fait venir à Washington DC, ici, aux États-Unis. En 2006, l'accident a eu lieu en 2003. Je suis venu en 2006 aux États-Unis, à Washington DC. Je me rappelle l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, à Washington, m'avait octroyé une 4x4 automatique et j'avais un chauffeur. Nous sommes allés à l'hôpital de Baltimore. Après, je suis retourné en Côte d'Ivoire. J'ai été opéré en Côte d'Ivoire à la PISAM 3 fois. J'ai été opéré 3 fois à la PISAM. Une opération fait 7 millions. Donc 7 fois 3, ça fait 21 millions. Je n'ai déboursé aucun sou. L'éternel Dieu a payé la facture. Gloire à Dieu. Et de là, je suis allé à l'école pastorale. J'ai été major de la promotion. Et depuis ce jour, je suis le leader principal de l'Église évangélique de la gloire de Jésus-Christ. Je suis donc le fondateur des Églises évangéliques de la gloire de Jésus-Christ. J'ai une église à Gagnoua, j'ai une église à Dabou, j'ai une église à Daloa, j'ai des églises un peu partout. C'était là mon témoignage. Dieu vous bénisse.